Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et à mon avis bientôt la fin de Callisto Protocol avec l'épisode 15, comme d'habitude, 4K 60fps, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. On va se régaler tous ensemble, je pense que c'est le mot d'ordre, on va même frissonner. C'est parti pour la suite de notre petite aventure très sympa. Je rappelle que dans seulement un ou deux mois sort évidemment Dead Space. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Allez, ouvre-moi tout ça. On va checker au cas où. Évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Je n'ai aucune putain d'idée. Ok, elle a juste déverrouillé. D'accord, elle m'attendait. Ah! Attends. C'est quoi ce dos? N'était pas là avant? Non. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était le plus mini. Qui rejoint la surface. Pourquoi est-ce qu'il le couvrirait? Je sais pas. Mais on doit passer par là pour retourner à la prison. C'était le puits qui rejoignait la surface. C'est embêtant, alors. Parce que je rappelle que on est tombé de bien haut et qu'on doit donc rejoindre la surface, hein, si vous suivez toujours jusqu'ici. Ok, c'est parti. Très bien. Jusqu'ici, il n'y a rien de très affolant. Ici, c'est verrouillé. Je pense que ça va pas tarder à être déverrouillé. Elle va à coup la machine. Salutations. Je suis le docteur Kenny Malheur et j'ai le plaisir de vous accueillir à la station Arcas. Nous avons hâte de partager nos découvertes avec vous. L'aboutissement de décennies de recherches. À qui elle parle? Pas avec moi. Je vais télécharger ce que je peux d'ici. On se retrouve à l'intérieur. Ok, fouiller le laboratoire. Bon bah évidemment, vous vous doutez bien qu'on va en apprendre beaucoup. Tout a commencé par un appel de détresse. Une contagion mystérieuse se propageant sur Callisto. La symptomatologie était intrigante, mais fabuleuse. Ok, bon bah écoutez, on va en apprendre beaucoup plus sur tout ce qui s'est réellement passé. D'évolution accélérée, similaire à celle découverte à Paramount. Si nous pouvions comprendre la maladie, nous pourrions la recréer pour percer le secret de l'effet Paramount. Très bien. Après avoir sécurisé le site, ils ont construit un laboratoire et plus tard, la prison qui l'entoure. Une base de recherche avec sa réserve de cobayes disponible. C'est pour ça que Black Iron a été construit. Voilà. D'expérience. On avait compris. Évidemment, les prisonniers servaient de cobayes. Il me semblait l'avoir dit dans un des premiers épisodes. Je sais pas si vous vous souvenez. Après des décennies de recherche, la récompense est enfin à notre portée. La source, là où tout a commencé, un nouveau chapitre audacieux de notre projet. Très bien. C'est... Putain, j'ai cru que c'était une arme, frérot. Ok. C'était quoi? C'est une sorte de vir solitarus, un ver solitaire, je sais pas. Ah! Une forme de vie extraterrestre. Libérée par les mineurs qui ont pénétré l'océan souterrain de Callisto. Elle était morte lorsque nous sommes arrivés. Tuée par les forces de sécurité. Mais, dans sa carcasse, nous avons trouvé des milliers de larves. Les vecteurs primaires de maladies pour le pathogène biophage. Nous avons collecté des spécimens jusqu'à notre laboratoire central. Sur Europe. L'agent pathogène a agi comme un accélérateur d'évolution, transformant les colons en des brutes sans cervelle. Ok. Sauf un, le dénommé Sujet Zéro. Il a en quelque sorte obtenu les avantages de la contagion. Plus de force, d'endurance et de longévité, tout en préservant son intellect et son humanité. Bien qu'il ait été tué par les forces de sécurité pendant l'épidémie, son corps a été transporté au laboratoire de Black Iron, formant la base du programme de recherche original. Oh mon Dieu. Sainte-Hein ! Toi et moi !
élu le plus gros forceur de l'année 2023. Comme tu peux le voir, les choses ont changé. J'avais ce qu'il est. Bravo! Qu'est-ce que c'est? Je te retrouverai où tu as. Je peux pas aller bien loin? Bravo! Wouah! Non! Ok. Je pense que je vais mourir, les potes. Attends! Personne! Ok. Vous directeur du traiteur. Elle essayait juste de t'aider, mais bientôt, elle nous rejoindra. Elle nous rejoindra? Bizarre. Tout va bien. Oh, j'ai le seum, il y avait beaucoup de loot derrière. Ok, bon bah écoutez, on s'en est plutôt bien sorti. Ouais, j'avoue, t'es en train de chialer. Ok. Hop, ça, c'est direct dans le coup. Et on va voir si on se met une deuxième ou pas. Désolé, j'ai eu un petit peu de... du coup de ok. Ok. De toute façon, c'est simple, en fight, on n'a pas le temps de se soigner, en vrai. Donc, pour le coup, autant le faire presque maintenant, j'ai envie de vous dire. Il y avait beaucoup de trucs derrière, c'est incroyable. On peut pas revenir en arrière, là? J'aurais dû peut-être examiner la pièce avant de... Attendez, parce que 11 balles... en vrai, on va plus prendre celui-ci. Et n'oubliez pas que j'ai mon coup spécial qui m'a valu un Oscar, évidemment, à Las Vegas en 1985. On peut pas revenir en arrière, ça va, toi, bibiche? Bouge de là. Oh là là, on peut pas. Ah, quel dommage! Allez, c'est parti. On va activer l'ordinateur, je ne sais pas ce que ça va faire. Sûrement un autre fight là, peut-être. Ok. Non. Let's go. On a réussi. Décalage labial. C'est bon. Pour l'instant. Tu vas avoir besoin de ça. Ok. Une gueule. On y est presque. Bah les gars, je vais pas mytho, je la touche pas. Hein. Je reconnais pas cette zone. Où est-ce qu'on est ? Allons voir. Ok. Duncan Cole, évidemment. Duncan Cole, où es-tu? Tu es là. Et tu es... Ce rapport sera mon dernier. Les rénovations de la tour sont presque complètes. Et le programme... Réactivé. Sous la supervision du docteur Malheur. Et qu'est-ce que vous en espérez? Des résultats. Après des années de recherche sans issue. Ne voyez-vous pas? L'évolution ne se produit pas en laboratoire. Elle a lieu dans la nature. Ok. Très bien, ça.
très très bien. Ok, suis-moi, bibiche. Fais pas la con. Yes. Du soin pour les braves. Veuillez effectuer. Bah écoutez, ça m'embête parce que. Déjà, il y a une arme qu'on n'a jamais déverrouillée. Donc, est-ce qu'on est vraiment proche de la fin? On dirait, tout porte à croire qu'on l'est, mais j'ai pas cette impression non plus. On va attendre un petit peu. Hein. C'est pas en changeant la stabilité qu'on va faire plus de dégâts. Ok. Ça va, y'a rien. Verrouillé. Bon, on va re-ressortir le fusil à pompe. Parce que niveau dégâts, il régale. Ah! Bah alors attendez. Tout est en train de changer, fusil d'assaut. Automatique. Tous les systèmes sont foutus. J'ai supprimé. Oh non, c'est bon. Oh non, j'ai un seum. Oh non, j'ai le seum, le chat. On devrait se tirer d'ici. Bonne idée. Le signal du directeur est toujours actif dans la tour de contrôle. On peut le rejoindre? On dirait bien. Je m'occupe de la porte. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Ah! Retournez dans vos cellules. Non! On m'a mis une vraie patate! Quoi? Retournement de situation incroyable. La tour! La boucle est bouclée, on retourne en prison. Danny, tu m'entends? Danny. J'ai une putain de blague. Je suis revenu au point de départ. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Trouvez-moi. Malheur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai pu rediriger une des unités de sécurité. Danny est avec moi. Où est-elle? Le laboratoire au cœur de la prison. Surveille tout, mais nous pouvons discuter ici. Je peux vous amener au directeur. Je peux la guérir. Je peux vous aider. Vous? Vous avez mis ce truc dans mon cou, et maintenant vous voulez m'aider? S'il vous plaît, vous devez vous dépêcher. Trouvez-moi, Jacob. Comment? Il y a une pièce qui mène à une zone normalement interdite aux détenus et aux gardes. Trouvez-la, et je m'assurerai que le chemin soit libre. Bon, les amis, il y a quelque chose qui m'embête. En vrai, putain, ils auraient pu faire... C'est un petit studio, les gars, c'est pas un triple A. Hein. Mais bordel, un effort sur les doublages, quoi. Un effort sur la localisation des doubleurs, parce que... ils auraient pu trouver quand même bien mieux et bien plus crédible. Hein. C'est dommage, ça. Hein. Si on n'était pas... Je vous le dis très honnêtement, si on n'était pas en let's play, ça fait longtemps que je serais en VO, hein. Mais il y en a qui ont la flemme, et je peux comprendre. Donc, je me dois de satisfaire la majorité. Ok. Alors. On va fouiller ça. Qu'est-ce que c'est? Ah! Quoi? Salopard! Frère, c'est abusé! C'est tellement gratuit! C'est toujours gratuit, leur truc, là. Ok. C'est tout! Oh, les bâtards! Donc en vrai, toutes les caisses un peu trop gentilles, on se fait bzao. Yes, une forge. Alors là par contre, je suis content. Là par contre, les amis, je peux vous dire, je suis content. Pour tous vos besoins. Ok, attendez, parce que ça, là ça sent la fin du jeu, là, littéralement, vu comment il régale. Allez, fusil d'assaut pour 100 balles, 1000 balles, pardon. Exécution. Allez, régale-moi. Très bien! Impression terminée. Ça me plaît! Ok, c'est pas fini. Bon, ça, on dirait plus une mitraillette qu'un fusil d'assaut, mais enfin pourquoi pas. Allez, ça coûte 500.
chargeur grande cape. Superbe. Passer une journée unique. Je préfère améliorer maintenant parce que je sais pas si j'avais vidé mes balles et amélioré, est-ce que j'aurais récupéré toutes mes balles, vous voyez ce que je veux dire. Et on va améliorer les dégâts. Let's go. Let's go, on va se régaler. Voilà, un canon un peu plus long. J'aime les bons gros canons là. Ne détournez pas ça, évidemment. Du contexte, s'il vous plaît. Ok. J'aime bien. J'aime. Très très bien. Wow, fusil d'assaut, 20 balles les gars, vous abusez en vrai. Hein. 20 balles en chargeur grande cape quoi. Oh, vous êtes des abuseurs. Hein. Non, non, là par contre, I'm not satisfaction. Ok. Je reprends la gueule. Non, pas du tout. De toute façon, ça marchait pas. Ok. Très bien. Non, 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 c'était à droite, mon roi. Voilà. Ok. Des crédits et santé pleine. Il nous en restera ici. Très bien, ça. Bon, j'ai pas vous mytho. Vous le savez, ça sent le boulgour. C'est mérité. Ok, go. Bien. Et bien là, Zubich. Ok. Ok. Je ne m'attendais point à cela. Quelle agréable surprise. La vache. Je m'attendais à un éclatage de gueule, mais enfin à cette vitesse. Yeah. C'est dommage que j'avais esquivé et que j'avais pas été. Ok. Très bien. Ok. 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 Allez, on se casse. Il est mort? Oh mais non! C'était presque trop facile! Allez, ça, dans le gosier. Tant pis, c'est fait pour être utilisé. Let's go. Ok. Hop, on reload. On s'en est plutôt bien sorti, les amis. Tiens, on va plus prendre ça. Ok. Très bien. Il y a un bail. Ok, superbe. Veuillez effectuer une sélection. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut améliorer now? Fusil d'assaut.
4005 et 4005, bah la tête chercheuse, vous abusez les gars, vous êtes des forceurs. Ah, on peut se faire des petites munitions en vrai pour pas grand chose, hein. En vrai, vous savez quoi, je vais me faire une petite boîte de mule. Ouais, on va se régaler comme ça, une petite boîte de mule, mon pote. Je sais pas, ça me... Je me dis, ça sera jamais trop. Attends. Ok. Ah, d'accord, en fait, ça rechargeait pas, superbe. Ok. Ok, superbe. Très bien, ça fonctionne. Let's go. Bon, on s'en est bien sorti, je suis pas peu fier. J'espère que vous aussi. Très bien. Mission de pistolet tactique. Qu'est-ce qui se passait ici? Qu'est-ce que c'est? Le choix. Chaque choix dans votre vie vous a mené ici. À cet endroit. À ce moment. Mais quel choix ferez-vous, Jacob? Resterez-vous tel que vous êtes? Ou choisirez-vous de devenir meilleur? Mais pourquoi ces messages personnels? Bizarre. C'est quoi ça? Ok. Yo mon ref. C'était évident, que si on était trop gourmand, bon, on allait être puni. La punition s'est cordialement faite. Passe à la suite maintenant. Passons à la suite. Très bien. On va aller checker là-haut. Il me semble voir de la brillance. Je dirais même mieux, de la surbrillance. Oh, imprimante, ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce que ça veut dire qu'on peut encore retourner en arrière? Bien sûr que oui. Ok. On va revendre. Écoutez, il n'y a pas... C'est pas des gros allers-retours, il n'y a rien qui nuit. Bon, par contre, on trouve que des imprimantes CPU, des trucs de fou furieux, tu vois. Bon, t'es en mode... voilà, quoi. Peut-être un petit peu... tu sais, tu sens que c'est la fin, donc c'est le, c'est au bal masqué, tu vois. On y va en régal. Bloc psy, superbe. Manquait plus que ça. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Munitions, c'est jamais trop, j'ai envie de vous dire. Oh ! Je l'ai pas vu. Ah, maintenant que je protège le fait que je brise leur garde, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le fait que je brise leur garde, ça change tout. J'aurais dû l'avoir dès le début du jeu. Ok. Très bien. Ok, bon, ça c'est les cadavres. Merde. Et alors ? Ah ! J'ai pris quoi ? Non, c'est trop. Il n'y a pas de retournement. En fait, il n'y a pas de retournement rapide. Donc, putain, c'est dur, quoi. C'est chiant. Il n'y a pas de retournement rapide et on peut pas esquiver un coup qui vient de derrière. Ce qui est, bon, là, pour le coup, un petit peu logique. Donc, en mode, bon, les gars... Allez, ça...
Désolé mon pote. Ok m'a gâté. Ça fait mal ou pas? Voilà, moi j'ai un senti en tout cas. Ok. Santé pleine, quel dommage. Bon. Bon, bah peut-être pas, c'est peut-être un peu too much ça. Hein. Cet endroit semble plus vieux que le reste de la prison. Pas mal. 27 munitions de fusil d'assaut. Oh, c'est fait pour être utilisé, c'est un appel ça. Je reconnais. Ok. Superbe. Superbe, superbe. Oh, salopard. C'est pas possible. Meurs. Oh la vache! Pas la meilleure idée de s'être enfermé là où j'étais. Attends, cowboy. Même pas je descends les escaliers, c'est je cavale mes grands morts là-dedans, rien à péter. Oh. Bon. Combien de corps vont se relever? Ok, genre il se relève pas lui. Des choses horribles se sont passées ici. Du cul ça. Très très très. Ok, tout semblait trop beau pour que ça s'arrête ici. C'est la morgue. Salopard. Ok. Merci. Bien. Ah, dommage. Dommage. Ok. Okay.
un combat infini. C'est pas possible, frère. Il s'est transformé alors que je l'ai même pas... Non, c'est trop. Non, mais là, par contre, je suis pas spécialement d'accord avec ce qui se passe. Ok. Je viens. Superbe. Ça va pas, ça m'a gâté. RS4 Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Okay. Superbe ça. Merci au client fidèle. Fouh, allez, qu'est-ce qui se passe en bas? Que je suis bientôt arrivé, les gars. Attends, quoi? J'ai cru que c'était un cadavre et qu'on pouvait lui... Voilà, c'était sûr. Quoi? Quoi? J'avais bombardé Trian, mais... Ok. Pas de souce, les gars. Ok, là par contre. Je ne... Ok, pourquoi pas. Très bien. Why not, comme on dit. C'est un passage secret, tu crois? Passage secret? Continuez d'avancer, Jacob. Ah non, bah non. On va fouiller, on va continuer de fouiller à gauche, les gars. Ok. On va continuer de fouiller à gauche. J'avais trouvé le bon endroit, mais du premier coup... Donc, autant quand même se faire plaisir et essayer de fouiller. Il y a peut-être des soins, parce qu'en vrai, ça part de fou. Pourquoi je peux pas courir ici, les gars? Quand même. C'est sûr. Voilà. D'accord. Et là, il n'y a rien à ramasser. Juste de la perte de balles, histoire de bien baiser. Fusible obligatoire, d'accord, de toute façon je vais aller ici. Bon, au moins on s'est débarrassé de l'énergumène qui était dans la cellule. Oh, il y a quelqu'un là-haut, dites donc, qu'est-ce que c'est? Ok. Ça m'embête beaucoup là ce qui se passe. C'est pas grave, on va se recrafter des munitions dès qu'on tombe sur une forge. Ça m'embête, tout ceci m'embête énormément. On va récupérer la clé, on va s'arrêter là. J'avais dit que je pense qu'on s'approche de la fin. Donc j'essaye de faire des épisodes un petit peu plus longs, histoire de voir un petit peu... J'ai pas envie qu'il y ait un épisode qui fasse 5 minutes, l'autre qui fasse 1 heure parce qu'on est proche de la fin. Tiens bon, j'arrive. De toute façon là il me faut juste le fusible, non je suppose. Ah non, vous croyez que le fusible est derrière dans le bureau? Ok. D'accord.
Les gars, vous savez quoi? Il faut remercier la visée automatique de la manette. Alors? Il m'a fait viser l'invisible. Cool. On va pas se plaindre. Quelqu'un se plaint ici? Je ne pense pas. Oh, bonsoir, monsieur. Très bien. Très bien, merci monsieur. Il y a un fusible de porte et il y a quoi là-haut? Dépêchez-vous, Jacob, nous n'avons plus de temps. Oui. Docteur Tala. Docteur Tala. Là. Mais le sujet semble avoir perdu toute intelligence et tout contrôle de soi. Signalez le sujet à Malheur. Peut-être qu'avec ça, Cole nous laissera en paix. Ok. Très bien. Il y a un petit cri. Allez, on remercie l'aide à la visée. Évidemment, les amis, on va se retrouver juste devant la porte. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire parce que ça fait évidemment toujours plaisir. J'espère que cette aventure vous plaît toujours autant. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de se retrouver évidemment en votre douce compagnie pour enregistrer tout cela. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien, passez évidemment une bonne soirée et on se retrouve lors du prochain épisode pour peut-être, je ne sais pas encore, la fin de notre aventure ou pas. On verra bien, il en restera peut-être deux. Oui, j'ai compris. Allez! Attendez, je veux vraiment m'arrêter pile poil devant la porte, c'est mon objectif du jour. Vu qu'on ne peut pas courir, c'est bon, c'est ok. On a déjà fait ce qu'il y avait à faire. Bisous tout le monde! Bye bye!